body count lottery rounded out to a solid and sturdy 30. 10 out of Haywood, thanks to unabated gang wars. One officer down, so I guess you're all screwed, because the NCPD will not let that go. Got another blackout in Santo Domingo. Netrunners are at it again, poking holes in the power grid. While over in Westbrook, trauma teams scraping cyber psycho victims off the pavement. And in Pacifica, well, Pacifica is still Pacifica. This has been your man, Stan. Join me for another day in our city of dreams. Do King Julian style. Salutations les murs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau samedi gaming sur Cyberpunk 2077. Je suis trop hypé pour tester ce petit jeu. Alors j'ai fait quelques petits paramétrages avant de me lancer dans l'aventure, histoire d'être bien. J'ai tout réglé au niveau des graphismes. Normalement ça devrait tourner en ultra et compagnie. J'ai paramétré aussi le son pour pas que ce soit trop fort et que ça me pète pas trop les oreilles ainsi que les vôtres. J'ai rebindé mes touches, j'espère que ça va aller. Alors j'ai pas pu assigner une touche pour la map, je sais pas du tout si ça va le faire ou non. J'ai fait aussi un petit paramétrage au niveau de la musique histoire de pas me prendre un petit strike si jamais on se retrouve sur Twitch ou sur YouTube pour faire du petit stream dessus ou les vidéos du let's play. On va. D'ailleurs j'avais mis en français, pourquoi c'est en anglais? Il faut que je change langage. Alors ce qui serait bien, c'est que ça reste actif. Non, l'espagnol, je m'en fous. Voilà, appliqué, merci bien. Et reste en français. Si à chaque fois, il faut que je m'amuse à rechanger, j'ai pas fini. Ah, quand même, me dites pas qu'il va falloir que j'aille reparamétrer mes touches, là. Ouais, non, c'est bon, ZQSD. Là-dessus, on est bon. Donc la nouvelle partie, c'est... On part, on se lance, allez. Oh, je sais pas si vous avez testé le jeu. Le bon choix pour les joueurs qui souhaitent jouer tranquillement en profitant de l'histoire. Les combats ne seront pas difficiles, non je veux pas. Les ennemis disposeront de tous les outils nécessaires pour s'attaquer à vie. Mais seuls les ennemis d'un niveau plus élevé vous poseront un véritable défi. Les combats vous poseront un sérieux défi. Une bonne utilisation de vos avantages, de vos implants, de vos gadgets et de combats et de consommables seront indispensables à votre survie. Je vais éviter, bon je vais quand même le lire. Accrochez-vous car le défi sera de taille. Un développement de personnages réfléchi, un usage judicieux des mécaniques de gameplay et une maîtrise de l'environnement seront nécessaires à la survie de V dans les rues de Night City. Bah écoutez, on va partir en normal. Parce qu'on a dit que les premières heures, enfin du moins ce que j'ai entendu dire que les premières heures, vu qu'on n'a pas trop de compétences et compagnie, ça peut être un petit peu tendu au niveau des combats. On va se lancer en mode normal, histoire de profiter un petit peu de tout ça de façon équilibrée. C'est parti, ça charge. Alors il y a Nomade, il y a Gosse des rues ou la Corporation. Alors je suis pas trop corpo, j'hésitais entre Gosse des rues et Nomade, mais je vous avoue que j'aimerais bien commencer l'aventure en dehors de Night City pour nous voir y arriver. Alors sachant qu'au début la trame principale diffère, on est un petit peu avec notre passif, notre lore... Mais au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, les quêtes, du moins notre personnage, peu importe la faction, rejoint la trame principale pour la quête justement de base. Mais on va peut-être partir avec les nomades, parcourir les Badlands, fouiller des décharges, attaquer des dépôts de carburant. La vie sur la route n'avait rien de facile, mais grandir dans un clan de nomades a des avantages. L'honnêteté, l'intégrité, l'amour de la liberté... sont des qualités rares à Night City, et l'argent ne peut pas les acheter. Pour comprendre la rue, on dit qu'il faut y avoir vécu. Vous avez grandi au milieu des gangs, des fixeurs, des poupées et des petits revendeurs. Dans ce milieu, la loi de la jungle impose aux faibles de servir les forts. C'est la seule loi de Night City que vous n'avez pas encore réussi à enfreindre. Et pour les corpos, peu de gens quittent le monde des corporations en vie. Et moins encore en conservant leurs âmes. Vous avez connu ça. Vous avez contourné les règles, exploité des secrets et utilisé des informations comme des armes. Personne ne joue à la loyale. Il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. On va partir sur Nomade. Ok, choix du perso. Un petit garçon.
Et au pire des cas, si jamais je retente l'expérience, je ferai une petite nana. Ouais, cette tête paraît bien, quoique celle-là aussi. Je sais pas si après je pourrais changer un peu. Il n'y a pas moyen. Ouais, voilà, si. Attends, t'es gentil pour pivoter. T'es gentil. Là, tu veux pas pivoter? Je peux vite. Ok, A et E pour pivoter. Ok, super. Ça commence bien. Le rebind des touches. Super. Ok. Ah, il y avait peut-être aléatoire. Oula, oula, oula. C'est quoi? Oula, oula. Ah ouais, c'est chaud l'aléatoire. Oh là là, mon dieu. Oh mon dieu, la tête des persos. Ah là là, mon dieu. Que c'est atroce. Ah ouais, vous êtes sérieux? Ça fait un peu penser à Prodigy. Ça me fait penser à Prodigy. Ah ouais, je suis bien comme ça, hey. Non, je vous avoue que non, je peux pas là. Je peux pas. C'est trop pour moi. C'est trop pour moi. C'est trop pour moi. C'est trop intense. Ah ouais, d'accord. Ok. Non, c'est chaud quand même. Je vais partir là-dessus. Et je vais me faire un petit perso. Ok. Ok, les genoux. Et on se retrouve après. C'est parti. A few moments later. Oh yes, ça y est les petits lémures, j'ai fini mon petit perso, me voici, me voilà. Alors non, je n'ai plus de cheveux, comme ça peut être le cas là, mais je me suis fait avec le petit look quand j'étais plus jeune, la petite barbichette, je me faisais souvent ça au niveau de la barbe là. Je faisais aussi des couleurs quand j'avais encore des cheveux, j'ai fait rouge feu et un violet un peu plus foncé que ça, mais voilà. Et puis je me suis mis aussi des petits piercings sur le visage, car j'ai des piercings. Donc voici un peu ma tête. Je suis pas très content de la moustache, mais je peux pas faire mieux. Donc petit piercing et compagnie, petit tatouage. Je n'ai pas encore de tatouage. Et j'ai vu aussi qu'on pouvait s'amuser avec pénis, mais bon, on va s'abstenir. Ça sert pas forcément à grand chose. Voilà, je suis resté en slibard, c'est pas plus mal. Maintenant que c'est fait, je confirme où tourner, sélectionner, définir l'apparence de V. Si je clique là-dessus et que ça fait aléatoire, non merci. Donc je me suis pas trompé, normalement j'ai une voix masculine. Ouais, c'est bien ça. Par contre, ouais, suivant, F. Ah ok, point disponible, je peux mettre en constitution, intelligence, réflexe, capacité, sang-froid. Et c'est tout. Ouais, je vais m'en mettre en réflexe, en constitution. Je vais en mettre deux même, intelligence, histoire qu'on soit pas trop bête. Capacité technique. Un en sang-froid, et le dernier, je vais me le mettre en réflexe. Voilà, comme ça c'est fait, F. Panneau du pio moniteur. V pseudo, parcourir les Badlands, fouiller des décharges. Bon, ça, on l'a déjà lu. Constitution, intelligence, réflexe, capacité technique, sang-froid. Ok, confirmé. C'est bien moi. Yes, enlever écusson F. Ah, j'avais pas de veste dans le miroir, si. Bunkers. Modèle de couplage électrique. Quand je suis entré, vous avez dit que c'était rien. Et que vous étiez sûr. Bienvenue dans Cyberpunk 2077, c'est votre première fois à Night City. Suivez attentivement les didacticiels pour vous familiariser avec les mécaniques de base du jeu. Mais si vous êtes déjà un Edge Runner expérimenté, n'hésitez pas à désactiver les conseils. Vous pouvez vous rendre dans la base de données à tout moment de la partie pour accéder aux didacticiels et vous renseigner sur les sujets importants de Cyberpunk 2077. C'est... Ben, je me suis trompé. Vous pouvez toujours essayer un autre garage qui ne demandera pas à un nomade ce qu'il fait seul près de la frontière. Ok, il y avait le suivi de la mission. Parler au mécanicien. F, examiner le moteur. Poussez-vous, je vais le faire. Je paierai ce qui était convenu. F. Là, je commence à en avoir marre. C'est vous. Quoi? Vous avez une idée de ce que vous faites? Ouais, on l'a vu dans plusieurs trailers. F, connecté machin. J'ai contourné le couplage et improvisé un démarreur. Le compresseur va tourner en continu, il va se gripper.
Est-ce qu'on vous a demandé votre avis? Est-ce qu'on vous a demandé votre avis? Montez dans la voiture. Je ferme pas le capot peut-être avant, non? Vas-y F, montez. Ok, on va voir ce que ça donne. F démarrer. Vous l'avez bien dit. Ah non, 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 non. Allez, on démarre encore. Pas trop mal. Mais la question c'est combien de temps ça va tenir? Ça tiendra jusqu'à Night City. Je trouverai une autre solution là-bas. Ah, d'accord. C'était pas si dur, je cherche Jackie Wells. Je cherche quelqu'un. Jackie Wells. Est-ce que vous savez... Vous voyez? C'était pas si dur. Pas mal, mais ça tiendra pas. Autant tout recoller avec de la salive et du scotch. Ce qui compte, c'est que ça marche. Se connecter à la station radio. Normalement, j'ai des... musique libre de droit d'auteur. Votre antenne n'a pas l'air en très bon état, hein. Vous devez pas capter grand-chose. Il y a quelqu'un qui marche devant là-bas. Sans déconner. Ah, ça se trouve, ce qu'on était en train de faire, c'était pas très légal. Il a débarqué il y a quelques heures. Je pensais qu'il s'était signalé. Allez, t'en fais pas, Mike. On va mettre les choses au clair. Vas-y, un crash du faux crachat. On vous a jamais dit de passer voir le shérif en arrivant en ville, histoire de lui expliquer ce qui vous amène. Peut-être même autour d'une tasse de café. Désolé. Désolé, j'avais pas prévu de m'arrêter. C'est le couplage, il a foiré. Vous voyez? Ouais, et les foirages, ça crée des problèmes. Je m'appelle Andrew Jones. Ça doit vous parler. Pas vraiment. Les shoguns d'argent des forces spéciales pendant la dernière guerre. Non? Non, ça me dit rien. Je crois qu'on va pas s'entendre. Ouais, en même temps, j'avais pas d'autre choix de dialogue, mon coco, donc je pouvais pas dire oui, oui, je te connais. Bon, je peux rien faire d'autre dans ma petite voiture. Nomade. J'aurais dû m'en douter. Je la répare et je m'en vais. Ah, j'ai peut-être pas je lui demander si je m'en vais. J'ai pas de raison de rester ici. Ouais, je vous le fais pas dire. Il y a rien qui m'énerve plus que les chiens errants. Votre clan, où il s'est installé? Je suis seul, qu'est-ce que vous avez contre les nomades? Vous aussi, vous croyez tout ce qu'on dit aux infos? Que les vilains nomades sont la source des problèmes dans le monde? Non, je respecte l'ordre. Les corpos nous ont apporté l'ordre, et j'ai bien l'intention de le maintenir. Les corpos vous payent et vous tiennent en laisse comme un chien, vous le savez ça? Ouais. Alors me forcez pas à montrer les crocs. Je vous repose la question. Où est votre clan? Il n'y a pas de clan, et pas de camp non plus. Je suis tout seul. Je vous crois pas. Les nomades se déplacent toujours en groupe. Ouais, ma famille s'est séparée. C'est pour ça que je vais à Night City. Alors vous êtes un paria parmi les parias. Eh ben... J'espère que vous resterez pas longtemps. Je dois utiliser votre tour radio. Vous êtes super accueillant comme... vous êtes super accueillant dans le coin. On m'avait dit que cet endroit était réputé pour son hospitalité. Eh ben, je suis pas déçu. Et comment qu'on est accueillant? Avec les visiteurs qui savent se tenir, évidemment. On m'avait dit que cet endroit était réputé pour son hospitalité. Eh ben, je suis pas déçu. Et comment qu'on est accueillant? Avec les visiteurs qui savent se tenir, évidemment. Ouais, en gros, je suis obligé de dire quoi l'un dans l'autre, ça change pas grand chose. J'ai une tour radio en arrivant. Mon antenne est pétée. J'ai besoin de contacter quelqu'un. Ouais, bah moi, j'ai besoin que vous foutiez le camp d'ici sans vous retourner. Je veux pas vous voir traîner dans le coin. Est-ce que c'est bien clair? Fermez la porte, je veux pas de problème, fermez la porte. Vous aimez bien le son de votre voix, hein. Je vous ai déjà dit, je veux pas de problème. Alors arrêtez d'en chercher et barrez-vous, Fissa. Ok. Vroom vroom. Ok, je peux tourner ZQSD, machin.
Est-ce que je peux l'écraser? Se rendre à la tour radio. Vroom vroom. Ok, on va aller à la tour radio. Alors par contre, j'ai le son qui me gueule pas mal dans les oreilles. Ok, ils étaient en train de causer. Si on va passer par là. Bon, c'est plutôt beau. Ça, je tourne à 42 images par seconde. Là, vu que j'ai un peu poussé tout en ultra. Ouais, je descends pas en dessous de 40 pour le moment. On verra ce que ça va donner. Ah, j'espère que ça se maintiendra. F pour sortir du véhicule. Allez, c'est parti. Ouais, F pour ouvrir. C'est un peu du mal. Je suis obligé d'appuyer deux fois. Défoncer. Ok, merci bien. Alors par contre, ouais, la sensibilité de ma souris, c'est un peu léger, je trouve. Mais bon, on fera avec. Donc, escalader la tour radio et localiser le boîtier électrique. C'est parti. Est-ce que je peux prendre l'échelle? Ouais, pas besoin d'appuyer sur un bouton, ça monte tout seul, c'est magnifique. Ah, et le boîtier, il est là. Ouvrir. Je sais pas du tout si je vais devoir me connecter à ce petit panneau. F, se connecter à la station radio. Ok. Allô? À toi! À toi! Je te reçois, ça y est. Willie McCoy, c'est bon de t'entendre. Hey, j'aimerais pouvoir en dire autant. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Une dernière fois. Encore une dernière fois. Il n'est pas en train de me choisir ma voiture, j'espère. J'ai trouvé le client qui a ma cargaison. Mais je sais pas où il est. T'es sûr que t'étais au bon endroit, au bon moment? Ah, regardez, il y a Night City là-bas. Ma caisse est tombée en panne. Ma caisse m'a lâché, le couplage électrique. J'ai du bol d'être arrivé jusqu'ici. Le client m'a peut-être laissé un message. Tu peux vérifier pour moi? Ok. Mais c'est la dernière fois. Le nom du client? Jackie Wells. Ouais, il a laissé un message. Il t'attend dans une ferme. Je t'envoie la géoloc. Ah, merci, Willy. Je te revaudrai ça. T'as intérêt? Essaie de pas te faire tuer. Non, on va essayer. Ok, mise à jour à mission. Hop, je peux sauter par là, c'est cool. Je sais pas s'il y aurait des dégâts de chute. Et je sais même pas si je pourrais essayer de monter plus haut. Je vais pas tenter le diable. Ah non! Ah merde, t'es sérieux ou quoi? Ah putain, par contre, ouais, pour descendre. Dernier checkpoint, ouais. J'ai pas sauvegardé. Ah, dites-moi que c'est après la communication, parfait. Alors, par contre, ouais, pour monter, il n'y a pas besoin d'appuyer sur une touche. Et en plus, c'est pas monter, c'est descendre, là. Ah, je sais pas si je pouvais descendre plus vite. Je voulais essayer d'appuyer sur Y, enfin, sur CTRL ou je sais pas quoi. Ah, ma barre de vie, c'est pas ça du tout. D'ailleurs, c'est quoi, ça? Ok, quand j'appuie sur Tab, ça fait ça. Quand j'appuie sur mon petit 2, ça fait rien du tout. Alors, I... Je sais même pas c'est quoi le raccourci inventaire, quoi. Ok, j'ai un gun sur moi. J'étais pas au courant, merci de me le dire. Là, j'ai un petit peu de vêtements et tout. Je sais pas si on pourra... Ouais, peut-être changer de sap plus tard, ce serait pas mal. Pour faire pivoter le personnage, c'est toujours A et E, c'est bizarre. Faudrait que je revoie le bind des touches. Donc on est ici. Je suppose qu'il n'y a rien d'autre. Et j'ai genre Night City qui m'attend ici. Regardez-moi cette immense... ouais, map, enfin du moins immense ville, surtout pour commencer. Donc là, on voit les différents quartiers qui sont contrôlés par des par des factions ennemies. Il y a les Mox et les Tiger Claw ici. Là, il y a le Gangsy Street. Voodoo Boy, c'est les Animals. Les Valentinos. Là, il y a personne, c'est le centre-ville. Et Maelstrom. Et ça, je sais pas si c'est pour un DLC futur ou si on a déjà accès. Mais ouais, même là, y a des zones, je sais pas si on pourra y aller plus tard ou si ce sera
À voir ultérieurement, je ne sais point. En attendant, moi je vais ressortir d'ici. Et puis, ouais, attendez. Inventaire. J'ai pas de quoi me soigner, sac. Ah, je pouvais faire sac, ouais, voilà. Est-ce que j'ai de quoi manger et me soigner? Non, j'ai rien du tout. Ok, ça c'est les vêtements, les consommables. Eau filtrée, eau de pluie filtrée. Ouais, mais ça dit pas du tout si ça soigne ou non, quoi. Un concentré de nutriments essentiels, un machin, applique le statut, augmente la santé maximale de 5%. Et la régénération de 0,5 par seconde au combat. Augmente l'endurance. Ok. Ah, je vais peut-être attendre avant de me siffler une portion. J'ai 300$ sur moi et je porte 13 kilos. Ok. Je sais pas s'il y aurait eu des trucs à looter. Mais bon, si je commence déjà à dépenser mes sous, ça va pas le faire. T'as pas des trucs à fouiller? On me disait de fouiller les poubelles. Vas-y, moi, je veux fouiller les poubelles. Ah, y a rien qui traîne là. T'as pas une petite canette pour moi, s'il te plaît? Ils sont pas sérieux. Ah, verrouillé. Ah, je sais même pas comment je sors mon arme. 1, 2, 3. Non, je suis puni, je peux pas sortir mon arme pour le moment. Ah, je peux même pas mettre de coups de poing. Les touches que j'ai bagne pour mettre des coups au corps à corps, je peux pas non plus. Bah, je vais retourner à ma petite voiture, je suis puni. Vas-y, montez, hein. Ah, c'est moi, c'est qu'elle démarre alors que je suis pas encore dedans. Rejoindre le lieu du rendez-vous. Ah, si je défonce ma caisse, ça va peut-être pas le faire. Allez. Ouais, on va faire du hors piste. Par contre, le son de la voiture est super fort. Allez, c'est parti. Je sais pas ce qu'il y aurait eu au bout des... au bout de la route. Là, je suis à Dry Creek. Ok. Night City, c'est là-bas. J'y suis pas encore. Et nous, on doit aller... On doit aller ici. Allez, c'est parti. Je descends. J'allais devoir me reconvertir en fermier. C'est toi que j'attends, j'espère. Je crois, ouais. Et toi, t'es... Je m'appelle Jackie Wells. V. T'as une cargaison à transporter, apparemment. De là d'où je viens, on se présente... Nouvel éclat extrait de l'histoire d'un nomade de V1. Ok. Juste les bonnes manières, tu me suis? Il y a le message. Premier code des nomades. Protège et respecte ton clan. Et surtout ta famille, ta valeur se mesure à ta parole. Partage avec les autres membres de ton clan. Respecte la vie privée et le bien-être de ton clan. Ne mets jamais ton clan en danger. Fais-toi toujours payer honnêtement pour un travail honnête. Nouveau code des nomades. Protège ta famille et ton clan dans cet ordre. Ne vole personne de ton clan. Ne garde pas pour toi-même ce qui pourrait aider un autre membre de ton clan. On peut difficilement imaginer... Un groupe moins enclin à voyager que les fermiers, ils sont pourtant à l'origine de l'âge des nomades, catastrophes naturelles, maladies ravageant les cultures, conflits, armées et lois martiales autorisant les corporations à spéculer et privatiser les terres. Tout cela les poussa vers une nouvelle vie sur la route. Les premiers clans reconnus comme nomades furent les Aldelcaldos et les Jodes. Suivi peu après des Snake Nation, des Terras Nation, des Folk Nation, des Blood Nation et Metacorp, pour un total de 7 nations. Les nations nomades se divisent en tribus, elles-mêmes sous-divisées en clans et en familles. Une famille comprend généralement de 10 à 100 individus, tandis que les plus grandes nations peuvent en compter jusqu'à 1 million. Au début, les activités des nomades furent considérées comme anarchistes, et subversive, surtout par les corporations, vous l'imaginez bien, qui réalisèrent rapidement qu'elles ne pourraient pas les contrôler. Le plus ironique dans tout ça, c'est que c'est grâce aux nomades que nos villes furent reconstruites après la guerre et les catastrophes qui marquèrent la première moitié du XXIe siècle.
Après tout, les familles se rassemblent pour construire, pas pour détruire. Ok, c'est... Ok, t'as rien d'autre à me filer là? T'as pas une petite canette Ouais, si je peux... Je peux me baisser vite fait. Ah ouais, il y a du cash. Je prends le cash. Ah, des munitions. Ah, moi, je fouille tout, hein. Alors, je peux me baisser juste en appuyant. Ok, à toi l'honneur. Ok, dans ce cas, on commence par toi. Je suis né à Night City. Un pur produit d'Haywood. J'ai jamais été à Night City, alors ça m'évoque pas grand-chose. Bah, imagine un endroit où tout le monde est comme un frère ou une sœur. Ou un cousin éloigné. Je crois que je vois. T'apprécies pas forcément tout le monde, mais c'est la famille. C'est ça, Haywood. Et tout le monde porte un cracheur. Et toi? On pourrait dire que chez moi, ça ressemble à Haywood. Toi et moi. Ah, je peux pas m'en relever, quoi. Merveille. La cargaison. Bienvenue pour le bulletin. Ah, il y a quoi dedans? Moins t'en sauras, mieux ce sera. J'en sais rien non plus, et c'est mieux comme ça. Tu sais même pas ce qu'on doit faire passer? C'est de la marchandise corpo volée. Volée? Ah. Un Beaumard l'a perdue, un autre l'a trouvée, l'a fait circuler, et voilà, elle est là. Tu sais, c'est l'effet papillon, ou un truc du genre. Et y a personne qui cherche cette caisse? C'est pas un problème qu'il la cherche. Tant qu'il la trouve pas avant qu'elle ait passé la frontière. Faut mettre ça dans la voiture. Ah ouais, bon. Ah, tu peux te relever. Bon, je sais pas s'il y a d'autres trucs à prendre là. Commencé à penser que tu viendrais pas. J'ai été retenu. T'as pas été super facile à trouver. Ah, j'ai préféré pas faire de vagues. Ce comte shérif, il avait pas l'air commode. Claire. Je peux même pas mettre un coup ou quoi que ce soit. Il y a une voiture. Je peux pas prendre un petit truc dessus pour réparer la mienne. F, s'introduire. Échec. Je peux pas fouiller le coffre. Ok, 4 sur 20, je suis pas assez fort, c'est ça Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris? Je sais même pas ce que j'ai pris dans la caisse. Bon bah j'ai bien fait de passer derrière, j'aurais looté au moins un truc. Ah, t'as pas un autre machin ou un autre bazar là? Non, ça a pas l'air. Ah, je peux pas mettre deux coups quoi, je peux zoomer avec ma souris et puis c'est tout quoi, basta. Ok, bah écoute, on est reparti, j'ai envie de dire. Ah, faut que j'ouvre le coffre. Allez, c'est parti, tiens, je t'ouvre le coffre. Ça pèse une tonne. Ok. Bon, on décolle. Allez, c'est parti. Ah ouais, c'est nerveux, hein. Aïe. Est-ce que t'as le manifeste pour le transport? Évidemment. Le fixeur t'a pas donné les détails du boulot. Si, si. Je voulais juste être sûr. Écoute, mon grand. On est tous les deux des pros, ok? Hé, t'es sûr que t'as déjà transporté ce genre de truc? Pourquoi? T'es nerveux? Moi? Pour favor. Ok. Peut-être un peu. Vroom vroom. Ah, j'aurais peut-être pu m'arrêter à la station service là. Là, c'est une des rares maladies que l'on ne peut pas traiter. Toutefois, les experts, j'ai pas eu le temps de tout lire. L'injection dans la moelle épinière permet de réparer durablement et sans interruption le tissu neuronal. Quand le coût mensuel de cette thérapie révolutionnaire a été estimé à 700 €. Ok. C'est quoi la suite? Rien. Vous scannez et contrôlez nos papiers. Ah. Ok. T'inquiète, laisse-moi parler. Ok, alors là, ils ont bridé ma vitesse. Poste frontière, nouvelle zone, ok.
diriger votre véhicule vers la zone d'inspection. Ne quittez pas le véhicule. Le contrôle de sécurité va bientôt commencer. Ok, chef. J'ai un très mauvais pressentiment. Ouais, toutes les trucs qui sont autour de nous. Ah, et puis il est immense. Salut mon gaillard, comment vas-tu? Joli tatouage. Allez, me fais pas attendre, Joom. Ouais, relax. Passe-moi le manifeste, ils vont vouloir le voir. Tiens, voilà. Voyons voir. Ça dit LOA. Parfait. Ça veut dire quoi? Que c'est perdu à l'arrivée. En gros, la cargaison doit être perdue, dès qu'elle aura passé la frontière, quoi. Waouh. Alors ils savent qu'on fraude. Ils vont pas tarder à le savoir. Le propriétaire du véhicule dans la zone d'inspection doit se présenter pour un contrôle approfondi. Ah, c'est moi quoi. Putain madre. Et maintenant? T'as du fric pour lui? C'est comme ça que ça marche. Il va falloir allonger quelques édits si on veut que le douanier ferme les yeux sur nos faux docs. T'as la puce de crédit avec le bakshish? Ouais. J'avais oublié. Ouais, prendre l'argent, ok. C'est ça. Oublié. Je laisse tourner le moteur. Au cas où ça part en couille. Ok. Moi je vais par là. Si vous avez une arme, déposez-la ici. Ok. J'ai failli rentrer avec, hein. Je sais pas ce qui serait passé, mais Présentez-vous en salle numéro 2. Ouais, ok, chef. Numéro 2, t'es sérieux, Manon? Asseyez-vous. Vos papiers? Attendre les papiers, contrôle de routine, tendre les papiers, je connais le topo. Papier. Je sais plus comment ça marche. Ça. Tout est là. Peut-être, peut-être pas. On va voir. Qu'est-ce que vous transportez? Tout est là. Vous êtes sûr? S'il y a un problème, dites-le moi. Je suis sûr qu'on peut s'arranger. Mais j'ai encore rien dit. La question, c'est... Est-ce que je dois m'attendre à une irrégularité? Ouais, donc en gros, je suis obligé de lui donner le bakshish. S'il y a un problème, dites-le moi. Je peux pas le garder pour moi, quoi. Enfoiré, va. J'ai encore rien dit. Ouais, en gros... La question, c'est... Est-ce que je dois m'attendre à une irrégularité? Vas-y, tiens, prends ton bakshish. Il y a soin supplémentaire au manifeste. Ouais, je suis obligé, quoi. C'est un peu trop scripté, quand même. Ah oui. Rappelez-moi pour quel clan nomade vous roulez. Je roule pour aucun clan. Je roule tout seul, pour moi. C'est courageux et pas très malin. Vous savez, quand je vois des gens comme vous, je suis vraiment content de pas être de ce côté de la table. Ah, c'est réciproque. Vous pouvez y aller. Votre associé vous attend dans la voiture. Merci. J'aurais bien voulu garder le bakshish pour moi, mais bon. N'oubliez pas de reprendre vos affaires. Oh, t'inquiète pas. Vas-y, remonte mon pétard. Attention avec ce jouet. Et bienvenue à Night City. Merci. Tous ces petits merdeux s'imaginent Night City comme une sorte de paradis. Qu'est-ce qu'on y peut? Ils sont jeunes et naïfs. Enfin, on va t'en dire ignorant. Ah ouais, je peux tout scanner, les jeunes. Ah, stimulant de combat, ok. Civil, civil. Président de Night City. Je peux pas zoomer avec ma vue bionique. Ok. Ah, regardez-moi ça. Ah ouais. Il y a ma petite voiture là-bas. Comment ça s'est passé? Je te raconterai dès qu'on aura foutu le camp. Ouais, ok. Il en prend de la place, pépère. Je me tape son coude. Tu veux pas pousser ton bras, s'il te plaît, là? Est-ce que je peux encore scanner?
Le dernier m'a pris la tête, il y a quelque chose de louche. Disons que j'ai un mauvais pressentiment. Ah merde. Et ça t'arrive souvent? C'est rare. Tu crois que ça sent les emmerdes? Concentre-toi sur la route. Quelqu'un vient vers nous. C'est pas bon signe. Mais j'ai même pas de rétro là, t'as vu la tête de mon rétro, tu veux que je vois quoi? Immédiatement le véhicule. Faut pas rester là. Ok. La marchandise que vous transportez est la propriété d'une corpo. Je répète, arrêtez le véhicule. Non. Merde. Et je vais tirer, c'est ça? Véhicule combat, dégainer l'arme Alt, rengainer l'arme et se rasseoir, appuyer deux fois sur Alt. Comme passager, dégainer votre arme vous permet de vous pencher par la fenêtre pour utiliser toutes les armes à distance équipées. Et bon bah après faut tirer quoi. Ok. Ah je te crève les pneus moi. Ah ouais, la souris... Ah, les pneus, s'il te plaît, je tire dans tes pneus. Ah, par contre, il ne faudrait pas que je tire dans ma voiture. Il n'y a pas moyen de recharger, non? Merci. Allez. Oh ouais, j'ai plus beaucoup de vie moi. Ah la souris. Ok, ils sont tapés le muret. Ah ouais. Vas-y, j'appuie deux fois sur Alt, là. C'est pas ses limites. Action impossible. Ouais, je sais pas ce que c'est ton action qui est impossible, là. Ah, par contre, le son, il faudra que je le baisse un peu. J'ai trop vieux pour ces conneries. T'arrêtes pas. On peut pas rester là. Ça a l'air désert. On va s'arrêter là. J'ai des trucs à régler avant de continuer. Doucement avec ma voiture là. Descends, putain, il m'a défoncé ma voiture. Non, t'es sérieux maintenant? Ils ont failli nous avoir. C'est ça que t'appelles de la contrebande? Chingalo! C'était censé être un job tranquille, sans accro. T'insinues que c'est de ma faute, calme-toi, c'est des choses qui arrivent. Eh, hey, si tu penses que c'est ma faute, t'es qu'à me le dire en face. Je sais pas. C'est ta faute? Le douanier a prévenu la corpo qu'on se trimbalait sa cargaison. Alors ces connards de douaniers, ils peuvent nous enculer à sec quand ils veulent? Et s'en tirer comme ça? Il a pris un risque. Il a supposé qu'on n'avait pas de clan pour nous soutenir. Et il a eu raison. On fait quoi maintenant? On a passé la frontière. Maintenant tu me payes, et on part chacun de notre côté. Ok, je vais pas te mentir. Je suis un peu raide. Je peux pas te payer tout de suite. Je te filerai ta part quand j'aurai été payé pour cette saloperie corpo qu'on trimballe. Et tu pensais que j'allais t'attendre là, bien sagement? En fait, j'allais pas te payer du tout. Je vais te larguer dès qu'on aurait franchi la frontière. Mais... t'es un chic type. J'apprécie ton honnêteté. J'apprécie ton honnêteté. Merci. Alors, c'est quoi la suite? Désolé, je fouille en même temps. Ouais, vas-y, je veux voir. Vas-y, me pousse pas. Putain, mais t'es sérieux, faudrait savoir. Ouvrir, super idée, allez. Oh merde! Il y a marqué Arasaka sur la caisse. On vient de voler un gros poisson. Alors on va peut-être se faire un gros paquet de fric. Non mames! Un vrai iguane! Des petites antilles, je crois. Toucher l'iguane, on devrait le vendre. Tu t'y connais en iguane? Des petites quoi?
Ouais, j'ai vu un docu sur eux à la télé. Ils ont disparu il y a une trentaine d'années. Ils viennent des petites Antilles. T'en as fait du chemin, boule d'écaille. Ouais, pas mal. Tu penses que tu peux en tirer quelque chose? Ouais, je crois qu'il va bien nous aider. Nous? Ouais, partenaire. On va faire moite-moite. Un bon fixeur trouvera un pommard plein aux as prêt à acheter cette beauté. Mais c'est con quand même. J'ai toujours voulu avoir un animal. J'y avais déjà trouvé un nom. Manny. Eh, au fait, tu sais ce que tu vas faire en arrivant à Night City? Non, j'ai pas de plan pour l'instant. Pourquoi tu me demandes ça? Non, j'ai pas de plan pour le moment. Non, j'ai zéro plan. J'ai passé les dernières années à bouger d'un état à l'autre avec ma famille de nomades. Ils t'attendent sûrement quelque part, non? Pas vraiment. On a décidé de se séparer. Ça doit être dur, hein? De plus avoir de point d'attache. Mais t'en fais pas. Je vais t'aider à trouver une piole. Un toit, c'est important. Et c'est aussi important d'avoir des gens sur qui tu peux compter. Comme une famille, tu vois. Tu t'en trouveras peut-être une à Night City. Merci. Merci, c'est vraiment sympa. Arrête, c'est rien. Le courant passe entre nous. Ce serait con de pas en profiter. Partenaire. Hé hey! Non, il veut que tu le caresses. Lui serrer la main, toi aussi t'es un chic type. Tu sais quoi, Jackie? Toi aussi t'es un chic type. Arrête, tu vas me faire rougir. Essaie. Ok, partenaire. On prend ce lézard et on se tire en vitesse. Qui vous parle, et c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la cité des rêves. J'adore notre bonne vieille ville. Je l'aime comme on peut aimer une mère qui vous a chié 20 ans plus tôt devant un orphelinat et qui vous arrête dans la rue pour vous demander une clope. Chaque jour, une centaine de personnes débarquent ici, mais moins de la moitié de ces pommards survivra une année, et encore si l'année est bonne. Pourquoi ils viennent tous à Night City alors? Eh ben pour devenir un samouraï des... C'est mon essai de 300$ alors que là on a fait pas mal de coups ensemble, c'est abusé. Plus on prend de risques, plus on peut gagner gros. Ah, c'est ce qu'on dit en tout cas. Mais on peut pas rester au top très longtemps, la vie se consume vite quand on la brûle par les deux bouts. Ouh! Ou alors quand on se prend une balle. Ah, j'ai perdu une chico, t'es sérieux? La plupart des légendes de cette ville, vous savez où elles sont aujourd'hui? Au cimetière! Peu importe d'où vous venez, peu importe par où vous commencez, ce qui compte, c'est le chemin que vous allez suivre! À Night City! La cité des rêves! La fille qu'on cherche est quelque part dans ce bâtiment. Ça doit être le repère des Penderos qui l'ont kidnappée. Ouvre grand les yeux et les oreilles, ok? Ça me fait penser. J'ai un petit cadeau pour toi. Un éclat d'entraînement de Militech. Si jamais tu veux te remettre à niveau. Ça te dit un petit exercice de tir en VR? Carrément, un petit échauffement me ferait pas de mal. Passer un machin, ok, on n'a pas le temps. Ok. Pourquoi pas? Nous allons commencer par un entraînement aux bases du combat. D'accord, chef. La séance sera enregistrée à des fins d'évaluation. Ok, et bah écoutez, on se fera ça une prochaine fois. J'espère qu'en tout cas ce premier petit épisode vous aura fait plaisir. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et on se retrouvera prochainement pour la suite de nos aventures avec notre nouvel ami Jakey. Et si vous ne voulez pas louper tout cela, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant. Sur ce, je vous laisse, surveillez bien et à la prochaine dans Night City. Excellent. Oh, donc il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts! Allez, allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil, un authentique héros! Vite! Avant de
retrouver l'usage de notre cerveau.